Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal, avec donc une dynamique qui reste ici haussière hein, malgré une temporisation très court terme sur laquelle je vais revenir. On valide ici la rupture haussière des 5052 points en se stabilisant ici au-dessus de ce niveau sans même venir l'attaquer. Pour l'instant, donc, on est toujours sur cette phase ici de temporisation et c'est bien sûr les 5052 points qu'il va falloir surveiller aujourd'hui. Du point de vue des indicateurs techniques, on est ici dans une phase où la dynamique haussière pourrait entrer en consolidation. On le voit ici sur le MACD où les histogrammes ici ont une évolution baissière. Et on le voit aussi ici sur le RSI où on a un signal de sortie ici de la zone de surachat de cet indicateur, ce qui pourrait là aussi déclencher un signal de consolidation. Alors, comme nous venons de le voir, on a effectivement un signal qui pourrait nous emmener à une phase de consolidation. D'un point de vue court terme, ce que l'on a au-delà ici de cette zone des 5052 points, c'est donc un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure qui a matérialisé donc la poursuite de cette dynamique avec donc une réintégration des cours qui pourraient consolider. Alors on a effectivement cette zone horizontale, on en a d'autres, hein. On a notamment cette zone ici hein, que l'on trouve proche des 5020 points. Tant que ces niveaux ici ne sont pas cassés durablement à la baisse, même si on a ici une rupture de ce niveau, on peut très bien revenir chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, la zone de support oblique, sans pour autant remettre en cause l'intégralité de la dynamique haussière. Donc en cas de rupture ici des 5052, eh bien on visera ici cette zone, donc zone des 5020, puis pour aujourd'hui ici les niveaux des 5000 points, niveau plus psychologique que technique, mais qui tant qu'ils ne sont pas cassés à la baisse, eh bien préserve en tout cas la dynamique haussière en cours. Par contre, si les cours restent ici au-delà des 5052 points, on reste évidemment dans un flux haussier, mais on conserve une dynamique beaucoup plus forte, avec donc comme objectif la zone des 5102 en objectif intermédiaire, mais aussi donc la zone des 5175 et 5248 points, qui est la zone majeure d'objectif suite à la rupture justement de ces 5052 points. Donc les zones à surveiller ici, 5052 et éventuellement aussi un retour sur une zone 5102, on va dire jusqu'à ici là 5125, qui en cas de test eh bien pourront nous donner effectivement une information de possible accélération du mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue macroéconomique, alors nous avons eu quelques news majeures mais qui sont arrivées durant la nuit, notamment un discours du président de la Fed hein, à 1h du matin. Alors pour aujourd'hui ça sera plus calme, on n'aura pas de statistiques majeures ce matin. Par contre à 13h on aura donc du côté de l'Europe et notamment du côté de l'Angleterre, vu qu'ils sont toujours en Europe, la décision donc sur la Banque centrale d'Angleterre sur l'évolution de ses taux d'intérêt, avec donc un compte rendu qui sera aussi dévoilé. Donc dans le contexte actuel du Brexit, eh bien, cela pourra avoir de l'importance. Et puis du côté des États-Unis, à 14h30, nous aurons les chiffres du hebdomadaire du chômage qui seront dévoilés, donc qui pourront éventuellement nous donner un petit peu de volatilité sur les marchés. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Passez de bons trades, on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.